Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Après la grande tournée en Côte d'Ivoire et au Togo, où nous avons été reçus comme des anges du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en réalité, nous bénissons Dieu pour le grand retour au Cameroun, notre chère patrie. Je vous dis bienvenue dans le mois de mai, un mois de grâce, un mois de bonheur, un mois de paix pour chacun de vous, et que Dieu réalise tous vos vœux pendant ce mois de mai, dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous présenter les grands rendez-vous de ce mois. Je voudrais vous exhorter à ne manquer à aucun de ces grands rendez-vous. Le thème de ce mois, Seigneur, je veux voir ta main dans ma vie. Pour tous ceux qui sont désireux de voir la main de Dieu dans leur vie, tous ceux qui sont désireux de marquer cette génération, pour tous ceux qui veulent marquer la postérité et les générations à venir, vous êtes mes invités. Ceux qui ont un rêve de grandeur, un rêve pour marquer leur génération et leur temps, sont invités. C'est un cri de cœur. Seigneur, je veux voir ta main dans ma vie. Oh mon Dieu, je veux voir ta main dans ma vie. Souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mes enfants. Ce dimanche 28 mai, nous aurons le grand culte des familles avec service d'eau ointe et avec présentation d'offrandes de consécration familiale. Chaque famille avait sa bouteille d'huile de faveur pour la consécration des familles dans toutes nos assemblées, dans le monde entier, en Afrique et en Europe. Et Dieu manifestera une grande gloire. Tu verras la main de Dieu dans ce mois tel que tu ne l'as jamais vu. Tu verras sa main dans tous les domaines de ta vie. Et ce dimanche, le 28 mai, c'est le grand culte familial. La main de Dieu reposera sur toutes nos familles qui se présenteront devant l'Éternel pour se consacrer. Vous savez, notre coutume et notre tradition, c'est de nous présenter devant l'Éternel, notre Dieu, nous et nos enfants, même aux enfants à la mamelle, les nourrissons à la mamelle, nous les consacrons à Dieu. Selon ce qui est écrit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et moi je dis heureuse la famille dont l'Éternel est le Dieu. À ceux qui négligent le culte de consécration familiale, je dois vous dire que vous commettez une grave erreur. Permettez à Dieu de gouverner votre nation, votre famille, parce que c'est par les familles qu'une nation et retourner à l'Éternel son Dieu. Donc, je voudrais vous exhorter à ne pas prendre cela à la légère, parce que ces actes que nous posons, nous suivrons jusque dans l'éternité. Consacrer sa famille à Dieu est le plus grand signe de sagesse pour un être humain sur la terre, parce que tôt ou tard, nous tous, nous comparaîtrons devant ce Dieu-là. Donc, nous nous présenterons avec nos bouteilles d'huile de faveur pour la consécration, avec nos offrandes familiales, et chacun recevra sa bouteille d'eau ointe pour la prière, la délivrance et le brisement des fondations maléfiques dans nos familles, et que Dieu nous aide dans toutes nos batailles. Le thème de ce mois, ne l'oublie pas. Oh Dieu, je veux voir ta main dans ma vie. Pour tous ceux qui sont désireux de voir la main de Dieu, ceux qui veulent aller loin dans leur génération, ceux qui veulent être démarqués dans leur famille, alors ce programme est pour toi. Ce dimanche 28 mai, à partir de 7h30, à la Bire et dans toutes nos églises dans le monde entier, ne manque pas au grand culte familial. Dieu se manifestera et que Dieu t'exauce. Ma prière pour toi, c'est que Dieu exauce tes prières les plus profondes et qu'il t'accorde les désirs de ton cœur au nom souverain de Jésus de Nazareth. Alors, bien-aimé, ce vendredi 19 mai, nous aurons la grande nuit de flammes à Yaoundé, à la Bire. Et Dieu se manifestera de manière révolutionnaire au milieu de nous. Nous verrons la main de Dieu dans une autre dimension. Pour ceux qui ont soif de voir la main de Dieu dans leur vie. Et vendredi le 26 mai, ce sera à Douala, toujours à partir de 21h jusqu'à l'aube. Et je vous exhorte à ne pas négliger la nuit de prière. J'ai l'habitude de dire que la nuit de prière, c'est pour ceux qui connaissent Dieu, c'est pour les hommes faits, pour les chrétiens matures, pour ceux qui savent d'où ils viennent et où ils vont avec Dieu. Pour le reste, le Seigneur disposera comme il voudra. Tous les programmes ce mois, prends une résolution ferme. Je ne négligerai plus mon Dieu, je ne négligerai plus la maison de mon Dieu. David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et je prie que ce soit aussi ton slogan pendant ce mois de mai et toute ta vie durant, au nom précieux de Jésus-Christ. Shalom.